être un ordre, fuyez. Moi, jamais. Vous restez? Oui. Très bien. Commandant Lamousquet. Moi? Je ne quitte pas une femme en danger. Dis donc, je crois qu'on peut lui donner à manger. Des vivres? Il en sort dessous toutes les vestes. Est-ce que vous croyez que je mange vos restes? Vous faites des progrès. Je vais me battre à Gênes. À Gênes? Il vient d'avoir l'Axag. Quoi? Saluteur! Où vas-tu? Attends-moi. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi? À cause de tes lettres. Pour quelques petites lettres d'amour. Tais-toi. Tu m'en as tant écrit tes plus belles, toujours. Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis le soir où d'une voix que j'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commençait de se faire connaître. Mais tes lettres, vois-tu? C'était depuis un mois comme si tout le temps je l'entendais, ta voix. Oui, je lisais, je relisais, je défaillais. J'étais à toi, Christian. Ton amour me brûlait. Pardon de t'avoir fait dans ma frivolité l'insulte de t'aimer d'abord pour ta beauté. Roxane. Ah, mais plus tard, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même, enfin, l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Non. La beauté par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux et je ne la vois plus. Non. Tu doutes encore d'une telle victoire. Roxane. Je comprends, tu ne peux pas y croire à cet amour. Je ne veux pas de cet amour. Moi je veux être aimée plus simplement pour... Pour ce qu'elles ont aimé en vous jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Oh, tu n'y comprends rien, c'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore, même si ta beauté tout d'un coup s'envolait. Non, ne dis pas cela. Si je le dis. Quoi? Lait? Oui. Lait, je te le jure. Tu es blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le-lui! Non! Pourquoi? Regarde mon visage! Dis-lui tout! Non. Christian, tu me tends, tu sais mal! Je suis là de porter en moi-même un rival. Parle-lui! Je veux savoir. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère! Restez pas là. Mais que vous a-t-il dit? Ah mon Dieu, il s'en va. Peut-être a-t-il douté de ce que j'avais dit et pourtant c'était vrai. Vous n'avez pas menti? Non, non, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi? Non. Il ne me fera pas de peine. Même s'il était laid? Même s'il était laid. Même défiguré? Même défiguré. Et s'il était affreux, ridicule, grotesque, vous l'aimeriez encore? Et davantage, presque. Mon Dieu. C'est vrai, peut-être. Le bonheur est là. Mais quoi, que dites-vous? Je...
Écoutez, voilà. Roxane, je voudrais... Christian ! Sauvez-la. Ah non, reste avec moi. Les Roxane, on se barre. Sa lettre ? Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis ? Un être merveilleux ? Oui, Roxane. Un poète inouï, adorable. Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui, Roxane. Un cœur profond, inconnu du profane. Une âme magnifique et pure. Adieu, Roxane. Il est duc maintenant. Et maréchal, je crois. Il n'était plus venu la voir depuis des mois. Toujours en deuil. Toujours. Aussi fidèle. Aussi. Vous m'avez pardonné ? Puisque je suis ici. Oh, il est où, là ?
Bruno. Je le dirai ce soir à Monsieur Cyrano. Oh non! J'ai fait pour lui des pâtes d'angélique. Vous savez qu'il n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Oui, oui, oui. Je vous défends de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Ne le tourmentez pas. Il viendrait moins, peut-être. Mais Dieu... Rassurez-vous, Dieu doit bien le connaître. Mais chaque samedi, quand il vient, d'un air fier, il me dit en entrant, « Ma sœur, j'ai fait gras hier. » Il vous dit ça? Toujours. Mais samedi dernier, il n'avait pas mangé depuis 2 jours entiers. Même mort, vous l'aimez. Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi. Que nos cœurs vont ensemble. Et que son amour flotte autour de moi, vivant. Ah tiens, voilà le Bray. Il vient ici souvent? Monsieur le maréchal. Vous arrivez trop tôt, il ne vient qu'à 7 heures. Qui donc? Cyrano. Ah, lui. Comment va-t-il? Mal. Mal? Il exagère. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère, ces pamphlets qui lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. Ne le plaignez pas trop. Il a vécu sans pacte libre, dans sa pensée autant que dans ses actes. Monsieur le Duc. Je sais, oui, j'ai tout. Il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Je vous conduis. Oui, parfois, je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure pendant que les grandeurs montent les degrés. Un bruit d'illusion sèche et de regret. Vous voilà bien rêveur. Mais oui. Monsieur Le Bray, vous permettez un mot. C'est vrai, nul n'oserait attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier au jeu chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Ces jours-ci qu'il ne sorte pas. Qu'il soit prudent. Un médecin. Vous, restez près de lui. Oui, monsieur. Je reviens. L'heure a sonné, madame. Il devrait être là. Rien ne peut l'empêcher de venir.